Bonjour de Naples Fantastique, voici une quiche que vous pourrez réaliser au printemps. Il s'agit de la quiche aux asperges. Préparez une quiche pour 4 personnes avec un rouleau de pâte brisée, fraîche de préférence, une botte d'asperges, 4 œufs, 200 g de parmesan ou de provolone del Monaco râpé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser de l'emmental. 50 ml de lait, 250 g de ricotta, du sel, du poivre, ce dernier est facultatif, ainsi que quelques feuilles de menthe fraîche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement utiliser du basilic. Il faut procéder ainsi. Coupez les parties dures et épluchez les asperges. Mettez-les dans une casserole d'eau salée. Faites-les cuire 20 minutes. Puis égouttez-les. Dans un saladier, mélangez les œufs, la ricotta, le fromage râpé, ajoutez le lait, le sel, si vous le désirez, un petit peu de poivre, ainsi que la menthe fraîche coupée en petits morceaux ou, comme je vous l'ai dit auparavant, du basilic. Foncez le moule à tarte avec la pâte brisée. Disposez quelques asperges sur la pâte, remplissez avec la préparation. Décorez avec les asperges restantes. Enfournez à four préchauffé à 180 degrés, four statique, pendant 35-40 minutes. Contrôlez que la pâte à tarte soit cuite. Ôtez du four, laissez tiédir 5 minutes, puis servez. Cette recette est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dans la description YouTube, vous trouverez en premier des recettes à base d'asperges, puis d'autres recettes succulentes. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouveautés. Je vous remercie pour votre attention, tout en vous invitant à partager cette vidéo avec des amis. Je vous souhaite bon appétit et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Grazie mille, buon appetito, vi do appuntamento alla prossima volta.